Alors nous, on propose d'embellir encore plus la zone. Donc là, aujourd'hui, on fait des plantations d'arbustes avec plein de jolies couleurs. Ce qu'on propose aussi, c'est un engagement des habitants. Donc on les a invités à venir participer, du plus jeune au plus vieux. Et que ça reste quelque chose que tout le monde peut s'approprier, que tout le monde se sente engagé en fait dans la démarche et dans l'association Les Butineurs de Noisy. Bah, on aimerait que du point de vue de la commune, il y ait plus d'engagement pour reverdir Noisy, pour entretenir les espaces verts qu'ils ont dédiés aux associations ou à la population de manière générale. Là, on voit qu'il y a une friche derrière. On aimerait que dans tous les projets, il y a une part de vert qui soit inclus dedans. Si notre environnement est joli, les gens en prendront soin, quoi. C'est évident, en fait. Une opération comme celle-ci, je trouve ça super intéressant, déjà pour les enfants parce que ça permet de les sensibiliser un petit peu à leur environnement, enfin à l'écologie, à l'environnement, le fait de vivre dans un quartier qui est agréable. Et je pense que ça devrait même être mené par la mairie un petit peu plus souvent. Donc c'est ça, en fait, il faut qu'il y ait plus de communication, plus de paroles, plus de flyers, plus de réunions comme ça, quoi. Non, il faut mettre du vert un peu plus, un peu partout. Parce qu'ici, là où je suis debout devant vous, il y avait un terrain d'évolution, un terrain de football, un verger et des cerisiers. Hein. Tout ça, ça a disparu. Je pense qu'il serait intéressant de sensibiliser un petit peu plus les habitants. Déjà mettre des poubelles de tri sélectives dans la rue au lieu des poubelles simples. C'est intéressant parce que c'est bien de sensibiliser et de parler de tri sélectif, mais quand on a une poubelle publique qui sert à tout. Puis peut-être plus de mise en garde au niveau des écoles, qu'on en parle dans les écoles pour les enfants et au niveau de toute la population, donc soit en parler, je sais pas, au marché, à la sortie des magasins, sensibiliser un peu les gens. Nous sommes tous conscients, puisqu'on habite à Noisy, que la ville n'est pas suffisamment propre. Mais ce n'est pas satisfaisant pour les gens qui y habitent, pour les gens qui y passent, c'est satisfaisant pour personne. Et pour que la ville soit plus propre, il ne suffit pas de mettre quelqu'un qui nettoie derrière chaque citoyen qui va déposer un déchet. Pour que la ville soit plus propre, il faut déjà que les citoyens ne jettent pas ce qu'ils ont dans les mains par terre. Il y a des poubelles, il y a des moments pour déposer ces gros objets. Il y a une réglementation pour les déchets verts, pour les produits toxiques, pour les produits papier. La propreté d'une ville, eh bien, c'est de la responsabilité de tout le monde, à la fois des institutions, mais des habitantes et des habitants. Et c'est avant tout, comme tout, un problème d'éducation. Si les enfants qui ramassent ici des mégots de cigarettes, des papiers qui auraient pu être jetés dans une poubelle et prennent conscience que c'est sale, que ça nuit à l'environnement, que ça nuit à la nature, eh bien ces enfants, demain, ne jetteront plus de papier par terre. C'est pour ça qu'on a proposé cette initiative qui associe Est Ensemble, Assequano, ICF, des associations d'environnement, des associations du quartier et des habitantes et des habitants, des enfants. Mais nous renouvellerons ce type d'expérience dans tous les quartiers de Noisy, mais pas nous tout seuls et pas à la place des habitants.